Et il y a deux livres que je voulais mentionner, vous allez comprendre pourquoi. L'un, c'est le deuxième roman de Catherine Poulain, Le cœur blanc. Et l'autre, c'est le nouveau livre, tant attendu, de Florence Aubenas. Catherine Poulain, c'est un roman, de nouveau, qui se passe cette fois pas du tout dans le Grand Nord, mais dans un midi de la France dévoré par la chaleur d'un été et des incendies, qui se passe dans un milieu très dur de travailleurs agricoles, dont beaucoup sont des immigrés sans papier. C'est le côté raisin de la colère, si vous voulez, de ce livre, hein. Avec deux femmes au centre, pas une, mais deux femmes. Et l'autre livre, celui de Florence Aubenas, le bruit avait couru qu'elle écrivait un livre sur la banlieue. Eh bien non, ça n'est pas un livre du tout sur la banlieue. C'est un livre qui... Elle a refait toute l'enquête d'une affaire criminelle qui s'est déroulée dans le Bugey, l'assassinat d'une jeune femme par un garçon assez bizarre, qui s'appelle Gérald Thomassin, qui est un jeune acteur. Alors quand je dis l'assassinat, je dis il est l'assassin présumé, car on n'a pas retrouvé de preuves du fait qu'il était le coupable, et par ailleurs, on ne connaît pas le mobile, hein. Et donc Florence a refait cette enquête de fond en comble, est allée s'installer là-bas, elle a interrogé tout le monde, et c'est autant, je dirais, un livre sur ce crime qu'un livre sur cette communauté villageoise et la manière dont elle vit et perçoit et parle de cette affaire.